Friends and welcome on this platform. Écoutez la réponse de Vladimir Poutine à Emmanuel Macron, les amis. Nous disposons d'armes capables de frapper des cibles sur leur territoire. Voilà ce que Poutine dit à Emmanuel Macron. Donc la Russie dispose des armes capables de frapper la France. Lui va parler lui-même, les amis. Euh, Poutine, ici là, n'est-ce pas Viens, 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 viens. viens. Est-ce que Vladimir, c'est bon là Parle. Il faut quand même, quand même comprendre que nous aussi nous disposons d'armes. Et ils le savent. Je viens de le dire. Nous disposons d'armes capables de frapper des cibles sur leur territoire. Toutes leurs menaces qu'ils inventent aujourd'hui pour faire peur au monde entier, que cela est réellement susceptible de provoquer un conflit nucléaire et entraîner par conséquent l'anéantissement de l'humanité. Est-ce qu'ils qu ne le comprennent pas Ce sont, vous savez, ce sont des gens. Euh, épargnés par de lourdes épreuves, ils ont oublié ce qu'est euh, la guerre. Alors que nous, même la génération euh, d'aujourd'hui, nous avons subi des épreuves significatives lors de la lutte contre le terrorisme international dans le Caucase du Nord. Aujourd'hui, c'est la même chose avec le conflit en Ukraine. Pour eux, ce ne sont que des dessins animés. J'espère que Emmanuel Macron et ses amis ont compris. C'est clair le message. La Russie dispose des armes pour frapper tous les territoires de tous les pays hostiles à la Russie. Y compris même le pays qui dit qu'on traverse d'abord l'océan avant d'arriver. Je pas des États-Unis d'Amérique. Les Américains sont conscients du danger d'une troisième guerre mondiale qui va détruire les empires, qui va détruire. Les... Parce que les Américains n'aiment pas les guerres qui les touchent dans leur sol. Et cette fois-ci, si les Américains. Et les Européens, les Otaniennes essayent de toucher la Russie, les amis, ça sera catastrophique. Catastrophique pour eux, catastrophique pour l'industrie, catastrophique pour les citoyens. Donc, tous les guignols-là, qui sont des vassaux en Europe, savent. C'est pour cette raison qu'ils se sont désolorisés d'Emmanuel Macron tout de suite. C'est pour cette raison que la presse allemande tire à boulet rouge sur Emmanuel Macron. La presse allemande dit vraiment les amis que vous ne pouvez pas parler d'envoyer les troupes alors que même envoyer les armes vous n'êtes pas parmi les six ou les sept pays qui envoient les armes en Ukraine Fico en Slovaquie dit non il ne peut pas accepter envoyer les troupes lui il a même refusé d'envoyer les armes euh, Victor Orban refuse d'envoyer les armes et dit l'idée des troupes vraiment vous avez vu en Espagne le premier ministre espagnol a dit non Sunak, le premier ministre britannique a dit non, Olaf Scholz a dit non, Joe Biden a dit non. C'est vrai, les amis, que c'est sûrement les choses qui sont dites à neuf et ils ont dit ça à neuf, peut-être l'idée est venue comme ça. Après, oh, les autres ont dit non, ce n'est pas une bonne idée. Mais Emmanuel Macron a voulu dire ça clairement pour montrer que comme c'est moi qui ai organisé le sommet de Paris à l'Élysée, je peux dire des choses. Mais l'attitude d'Emmanuel Macron, Faites en sorte que les amis, les autres auront peur d'assister à un sommet que organise la France. Parce qu'ils vont se dire, ces gars vont, nous inviter, ces gars vont nous inviter ici. Et après, ils vont commencer à dire des choses qu'on n'a pas pensées, qu'on n'a pas dit. Parce que quand ce n'est pas officiel, on ne le dit pas. Mais maman, il faut préparer les esprits. Préparer Quel esprit? La France a perdu systématiquement toutes ces guerres. Alors qu'on est en train de parler, la France ne peut pas faire la guerre avec un petit pays qui a même 200 000 personnes. Donc voilà cette France là qui cherche la coalition pour aller en Ukraine. Et l'idée de la France d'aller en Ukraine avec les soldats sur le terrain de façon officielle, parce qu'officieusement il y a des instructeurs, il y a les miliciens, il y a les mécénés en Ukraine. Et la Russie sait, la Russie sait très bien. Et la France s'agite aujourd'hui parce qu'elle est chassée systématiquement dans les pays africains. Et les pays africains se retournent contre cette France qui a toujours joué un rôle très néfaste à leur développement, un rôle très néfaste à leur cohésion, un rôle très néfaste en imposant la division comme mode de fonctionnement de gouvernance en Afrique. Voilà donc ce qui est dit, les amis, Poutine qui répond à Emmanuel Macron, attention, quand tu vocifères là, hein, tu dois faire très attention à toi, parce que toi, tu ne représentes d'abord rien, et ton pays ne représente rien. Ça dit que c'est une façon diplomatique et très intelligente de parler. Et c'est Poutine. Vous, si vous regardez... Uh, the, if you look at the IQ of Putin and the IQ of Emmanuel Macron, you see practicability, pragmatism in Putin. But you see empty talk, empty talk in Emmanuel Macron. That is the kind of leader or the kind of person who is leading or ruling France today because Emmanuel Macron is behaving as a king. That is what is happening. And Africans learn from this, tell them the truth blatantly in their eyes, refuse their corruption. Because we have to be sovereign. That is all what we need in Africa today. Ladies and gentlemen, if you have time, why not subscribe on this channel? Bye bye. This is, is